Le président américain Donald Trump est de retour à Washington après avoir rendu visite à des soldats américains stationnés en Irak et en Allemagne. Mais son premier voyage dans une zone de combat a suscité la controverse. Il aurait en effet révélé accidentellement des informations classifiées, mettant sous le feu des projecteurs une équipe de Navy SEAL lors de sa visite en Irak. Donald Trump a posté sur Twitter une vidéo de lui-même posant avec l'équipe, dont les visages ne sont ni masqués ni floutés. Le lieu où se trouvent les forces spéciales américaines est généralement un secret bien gardé. Le président dispose d'un large pouvoir pour déclassifier les informations. Il est donc peu probable que le dirigeant ait enfreint les règles, mais certains observateurs affirment qu'il s'agit d'une atteinte à la sécurité opérationnelle.